réponds. Je veux bien qu'on soit parti le 23. Alors, on est parti le 23. On est parti. On est surtout arrivé le 23, là, à 4h. À 4h ? Non, mais c'est 4h. À 16h. Je disais 2h. Alors, ah oui, le voyage était parfait. Le chauffeur était parfait. Oui, de toute façon, on ne le remplacera pas pour le retour. Non. On le garde pour le retour. Oui. Oui, d'un commun accord. Oui. Bon. Dimanche 24. Alors, un beau soleil, oui, il faisait soleil, je m'en souviens. Et la neige brillait sur le beau glacier. Oh bravo. Alors, on est allé jusqu'au glacier. À Pontrissina d'abord. Oui, à Pontrissina, mais on a traversé. Oui, il n'y avait rien, il n'y avait même pas un magasin ouvert. Enfin, on a acheté une carte postale. Oui, et puis alors après, alors, le glacier. Eh bien... Il a été long. À atteindre, mais en fait, oui. Nous y sommes arrivés. C'était très beau, le chemin était très beau, ça c'est oui. Vrai. Le glacier, et le glacier était formidable, sauf que de temps en temps, il y avait des sautes d'humeur, et puis brusquement, pouf, ça craquait en haut, et pouf, qu'est-ce qui nous tombait ? C'est ce jour-là qu'il a plu ? Non, c'est que ce jour-là, oui, la glace nous est tombée. Mais à 20 mètres. Ah, mais vous avez de la glace qui vous est tombée dessus ? Ah, mais vous, c'est vrai que vous me dites tout. Moi, il y a une pierre, mais vous, c'est de la glace. Oui. Oui, la prudence, hein. Très bien. Oui. Je remarque. Mais ça n'est pas tombé sur nous. Bon, on était quand même face au pic Bernina. Le pic Bernina. Pur hasard, hein. Oh, le pic Bernina. 4049 mètres. Oh, c'est bien. On a failli, du reste, grimper. Mais on a hésité au dernier moment, c'était trop tard. C'est vrai, on aurait pu y aller. Moi, je n'y suis pas allée jusque-là. T'as pas été avec nous jusqu'à... Ah, non, pas du tout, non, moi je ne fais pas vos folies. Ah, non, tu nous as attendu un peu. Non, tu nous as vu. Vous faites les folles et très bien, restez-y. Moi, je garde ma sagesse. D'accord. Bon. Thank you.
25, on a été à Bever et on a fait la petite marche vers la combe Spina. À pied. Mais si, enfin, je te rappelle bien. C'était il y en a un peu trop. Hein. La combe Spina, c'est... En fait, tu te rappelles bien, c'est là. Bon, je n'ose pas le dire puisque c'est enregistré, mais tu as été fait des petits besoins chez toi et moi. Ah oui, oh, tu me parles. Ah, bah, je vois, c'est là où il y a toujours des toilettes. S'il y a, oui, c'est là où il y a des toilettes. C'est tellement bien, j'étais obligée de faire les visites. C'est-à-dire que nous avons visité les toilettes de la combe de Pinas. Oui, oui. Pinas. J'allais dire Pinas. Oui, on a visité les toilettes. Tu te rappelles? Oh, parfaitement. Alors, voilà, ça. Et tout le long, il y avait des comptes. Et des toilettes. Ah non, c'était là où il y avait la combe Spinas, il y avait des comptes. Il avait les comptes, oui. C'est pas là où je les ai vus. Non, sous le fauteuil, ils étaient en allemand, là, t'as pas pu. Alors non, c'était les autres qui ont pu. Oh là là, c'est compliqué. Oui, enfin, la combe Spinas, c'était bien, mais c'était moins grandiose que les autres. Oui, mais les comptes, les livres en dessous, c'est presque nul. Mm-hmm. On n'est pas là. Autour du lac avec des plaines. Oui, oui, et un grand de Saint-Jean-Bel. Oui, on est revenu plus du matin, arrête pas le panorama. Bon, ce sera tout. Des magasinats, n'est-ce pas? Nous sommes allés chez Cartier, j'ai retenu. Oui, c'est un émeraude. Un émeraude pour la porte. Non, pour la prochaine fois, non. Pour, je sais pas, 40. On est allé chez Cartier, voilà. Bon, ben, bon, voilà, ce sera tout. Non, mercredi, eh bien, une balade vraiment formidable parce qu'il y avait un petit hôtel. À Sils Maria, direction Curtins. Ah oui, alors ça c'était Sils, moi j'y passerai ma retraite. Bon, et puis il y a eu une très jolie balade. Très belle chapelle en haut, dans un grand. Comment on peut appeler ça? Non, c'était un... Mais moi, j'ai pas du tout envie de... Je sais pas, les mots du reste... Mais t'as sur le banc? Là, il me sert d'ombrelle. Oh, on n'en a pas besoin. Attention. Moi j'ai un parapluie en vrai, super attaque. 3 1, 2, 2. Oh là là, regarde. Oh là là.
Greta et Daniel en train de magasiner chez Cartier. Donc jeudi matin, montée à Corviglia, 2486 mètres. Le petit train bleu. Il a fait un arrêt, je ne sais où, enfin mi-chemin. Oui, mais et on a sauté bien. Dans un autre train. Bon, c'était très mon bien. Billet n'était plus valable, mais je suis passée quand même. Oui. Bien, ensuite. Mais ensuite, on est descendu à pied. Mmh. On est monté tout à fait en haut, c'est assez nul. Là-haut, oui. Au sommet, il n'y a rien à voir. Mais la descente, il y a eu de très très belles vues sur les lacs. Ah oui. Sur les lacs, on a pique-niqué dans un endroit très agréable avec une très belle vue. Mmh. Et après, on est descendu de plus en plus, ça n'arrêtait jamais. Non, ça n'en finissait plus alors qu'on croyait être chez nous. Oui, mais on a vu aussi le haut de Saint-Moritz, mmh. avec les belles villas. Avec, mmh. Et là, on s'est rendu compte que c'est effectivement très chicos. Hein. Mmh. Ah, c'est là où on a vu le canton. Oui, et beaucoup de dénivelé. Oui, et le canton avec de grosses bagnoles. Mmh. On n'a pas vu d'émirs arabes. Tout ça, c'est notre langue. Voilà. Vendredi, dernier jour, point d'orgue, départ pour Pontresina, direction le vallon de Rosaire. Ben, c'est peut-être on a pris plus les beau, jours, mais enfin, oui, un des plus beaux. Oui, mais enfin. On a pris les. Oui, mais le glacier de Mort, de Ratch, là, je sais pas quoi. Était beau. Il était beau aussi, mais bon, ce qui était très rigolo, c'est qu'on a pris la petite diligence sur les grands chemins de France. De France, mais pas de France, de Suisse. Très très beau, ça a duré très longtemps, il reste une heure au moins. Ah, oui. C'est long quand même, j'ai pas vu, j'ai vu nulle part où c'était marqué 7 km, j'ai pas vu. Mais vraiment, c'était une belle promenade, c'était agréable avec les chevaux, et puis on était tombé avec des gens très agréables aussi dedans. Non, très bien. Arrivé là-haut, on a mangé, avec un panorama magnifique. Ah oui, oui. Ça, c'était un des plus beaux. Panorama pour manger. Ensuite. Et il a fait très beau. Il a fait très beau, on est allé. Au fin fond, là-bas, essayer de toucher le glacier, on n'y est pas arrivé. Mais c'était très beau. C'est vraiment, les glaciers sont magnifiques. Voilà.
très belle promenade aussi à faire, à pied pour tous les âges. C'est surtout ça. Il y a voilà. Pour les grands sportifs et puis pour nous, on pouvait se balader n'importe où. Même voilà. Pour les vélos. Là, même pour le vélo, mais on n'en a pas pris. Mais vraiment, c'était très très bien. Ça, belle semaine positive qui va nous faire rêver pendant tout l'hiver. Over the fields and seas. Follow.